Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Dans la leçon de jeudi, s'impliquer, un souffle d'harmonie. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. Les rachetés connaîtront comme ils ont été connus. L'amour et la sympathie que le Seigneur a implanté dans nos cœurs trouveront leur emploi le plus légitime et le plus doux. Une pure communion avec des êtres saints, une vie sociale harmonieuse avec les anges et les bienheureux de tous les siècles qui ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Des liens sacrés unissant la famille qui est dans les cieux à celle qui est sur la terre. Éphésiens 3, verset 15. Voilà ce qui constituera la félicité des rachetés. Les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse. À mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le pardon marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus aussi grandira leur admiration de son caractère. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissant du trône du Créateur envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde le plus vaste, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Extrait du livre La Tragédie des siècles, chapitre 42, les pages 593 et 594, écrit par Ellen G. White. Remue Ménage, suite à l'étude d'Apocalypse 20 et Apocalypse 22. Quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans votre marche quotidienne avec Dieu? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage. Remue Ménage. Remue Ménage.